Hey, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer eh bien, d'explorer ma collection. Vous voyez, il y a un énorme trou là-haut. Parce que tout simplement, on va voir aujourd'hui ma petite collection de jeux Sega Saturn. J'ai passé la vingtaine, donc je suis très content parce que vous le savez, moi, dès que je vois une de ces belles boîtes en pâle, je suis aux anges. Voilà. J'adore ces boîtes, je sais qu'elles sont très fragiles, je sais que c'est pas les meilleures. Mais j'aime beaucoup ce format de boîtier. Et donc, vraiment, c'est vraiment des trucs que j'adore. Et pour moi, la Saturn, pour vous expliquer vite fait quand même, à l'époque, bah, je sortais de l'armée en fin 95. Du coup, j'avais pas trop de thunes et j'avais la PlayStation. Et du coup, je me suis contenté de la PlayStation à l'époque. Parce que, bah voilà, il fallait faire des choix financiers, on va dire. Et la Saturn, ça a toujours été une console qui me faisait un peu rêver parce que, pour nous, si vous voulez, la Saturn, c'était l'arcade à la maison. Voilà. Et donc, je voyais hein, dans les magazines les Sega Rally, les Daytona USA, les Virtua Fighter, les... Enfin, bref, tous ces magnifiques jeux qui arrivaient de l'arcade et qu'on pouvait enfin jouer à la maison. Et donc, c'est vraiment une console que j'avais envie d'avoir et que j'ai découvert que récemment, hein, sur le tard, et pour lequel je prends vraiment plaisir à l'allumer et à me faire quelques petites parties. Bon, évidemment, sur Tucatoli, hein, sinon ça pique un peu les yeux. Hein. Mais voilà mon histoire avec cette Saturn. Et du coup, bah voilà. Maintenant, dès que je croise des jeux à prix raisonnable, c'est vrai que je craque. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec ce Baku Animals. Voilà. Bon, je vais pas les ouvrir à chaque fois, hein, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, hein, les picots, c'est la merde. Les notices, c'est la merde, donc on va éviter hein, de les ouvrir, voilà, ça se décolle, tout, c'est des très beaux boîtiers, mais, bah, en fait, ils sont assez fragiles, hein. Baku Animals, c'est un puzzle game, qui est plutôt bien vu, hein. Vous allez devoir, bah, comme dans tous ces puzzle games, aligner des fruits, hein, et des plantes, pour les faire disparaître, hein. Et il faudra associer, en fait, l'animal qui correspond à ces aliments. Donc c'est plutôt original, voilà. Donc pour gagner, bah, il faudra que votre adversaire soit submergé un peu comme dans les Puyo Puyo et compagnie. Hein. Donc très très cool. Ça, j'adore. Battle Arena Toshinden. Alors ça, remix. Jeu de combat de la Saturne. Hein. Vous allez combattre un des 8 personnages qui étaient disponibles. Hein. Donc c'était surtout des persos qui faisaient du karaté. Hein. Et ils ont également des armes, pas où, ils ont également des armes, des techniques qui leur sont parties propres à chacun. Et on pouvait également gagner un nouveau personnage et également des nouveaux coups dans cette version remix. Alors moi c'est un jeu sur lequel j'ai énormément joué, mais sur PlayStation. Voilà. Battle Arena Toshinden, ça a été un des premiers jeux que j'ai acheté sur la PlayStation. Parce que, bah, jeu de baston sur lequel vous pouviez tourner autour des personnages, quoi. C'est un truc de fou. Donc, incroyable. Ça, il y en a un autre sur Saturn. Le Bust Move 2, ça, c'est pareil. Alors ça, bah, vous le savez, hein, j'adore, moi, les jeux à la con comme ça, de réflexion. Donc, c'est Bust Move Arcade, Bust Move 2 Arcade Edition. Et ce Bust Move, j'y ai énormément joué, mais je ne sais plus sur quelle console. Voilà, je sais que j'y ai joué beaucoup. Mais je ne sais plus sur quoi. Donc c'est tout simplement pareil, un espèce de Tetris hein, dans lequel vous allez devoir faire des alignements de couleurs en partant d'en bas. Il y avait un mode 2 joueurs dans ce jeu-là. Bref, moi, je suis complètement fan. Un des fleurons hein, cette console, bah, c'est le Daytona USA. Et ce que je me rends compte aussi, c'est qu'elles sont vachement lourdes, en fait, les boîtes, mine de rien. Ça pèse son truc. Hein. Donc, c'est un portage, évidemment, de ce jeu de NASCAR. Hein. Un portage de la borne d'arcade. C'est ce que je vous disais, hein, l'arcade à la maison. Donc, il n'y avait que 3 circuits, hein, mais qu'on pouvait jouer également en mode miroir, c'est-à-dire à l'envers. Hein. Il y avait également un mode qui était propre à la Saturn. Hein. Ça, c'est plutôt cool. Et vous pouviez jouer ben, plusieurs types de courses. Voilà. Il y a des courses normales, il y avait des courses en Grand Prix, en endurance, voilà, qui en fonction, ça vous rajoutait en fonction des tours. En bref, des très grands jeux de bagnole. On a également le F1 Challenge, qui est aussi un Sega Sport. Hein. Tous ces jeux Sega Sport
De toute façon, c'est des bangers. Voilà. F1 Challenge sur Saturn, c'est un jeu de course de Formule 1. Alors, il n'y avait que 5 pilotes. Hein. Ils n'avaient pas la licence complète hein, de la F1. Hein. Il y avait à l'époque de Michael Schumacher, évidemment. Hein. Et il y avait 6 circuits seulement, dont 3 vrais. Donc, il y avait Hockenheim, Monte Carlo et Suzuka. C'est tout. Les autres, c'est 3 trucs qui ont été inventés. Donc, il y avait également tous les pilotes et toutes les équipes qui ont participé à la saison 95 ont vraiment très très bon jeu de F1. Le Fighting Vipers, voilà, Fighting Viper, pareil, un très bon jeu aussi de combat. Ça c'est toujours sympa. Il y avait des très bons jeux de combat à l'époque. Bah, ça venait pareil hein, de l'arcade, je suppose. Bah, celui-là, je sais pas d'où il vient, je le connaissais pas. Je l'ai découvert que récemment. Et franchement, bah, j'ai beaucoup aimé. Voilà, très bon jeu de combat. Pareil, il y avait 8 concurrents qui vont se bastonner. Donc, fallait faire des combos et tout. Donc, excellent. Alors, un format de boîte un petit peu différent. Voilà. Il s'agit de ce Formula Cards Special Edition. Voilà, la boîte est un petit peu différente. Voilà. C'est un petit peu le souci. Hein. Il y a des formats de boîte un peu différents. D'ailleurs, en japonais, ça n'a rien à voir. Hein. Pourquoi je l'ai pas le... Ah oui, il est là. Pourquoi j'ai... Oui, bah, je me suis trompé. C'est pour ça. Donc, c'est un jeu de course de cartes. Hein. Voilà, il n'y a rien de plus. C'est une simulation de cartes très arcade pour avoir le fun à l'état pur. Ouais, ce que je cherchais, c'est celui-là. Le Firestorm Thunderstrike 2. Donc, vous allez piloter un hélicoptère de combat. C'est un jeu d'action. Hein. C'est la suite de AH3 Thunderstrike. Il y a dedans 8 campagnes avec plusieurs missions à l'intérieur. Hein. Donc, vous allez pouvoir utiliser votre armement et votre pilotage de folie pour pouvoir résoudre toutes ces missions. Le jeu suivant, c'est le célèbre Hexen. Voilà, Beyond Heretic, je sais pas pourquoi c'est Beyond Heretic, Hexen, sur Saturn, un jeu d'action FPS, hein, que moi j'ai connu sur PC par exemple, c'est un FPS, c'est très connu à l'époque. Alors, la particularité de Hexen, c'est que vous pouviez incarner 3 persos différents. Il y avait un guerrier, donc bien bourrin, il y avait un mage et il y avait un clerc. Voilà, donc, et chaque personnage était complètement différent, ce qui, à l'époque, rendait le jeu varié, et ça, bah, c'était cool. Le International Victory Goal, bon, bah, là, tout est dans le titre, hein. C'est un très bon jeu de foot, voilà, de la Saturn. Il y avait 12 équipes nationales, il y avait 3 modes de jeu, dont une Coupe du Monde. Vous deviez disputer, d'ailleurs, 44 matchs hein, pour pouvoir gagner la finale de cette Coupe du Monde. Très arcade, voilà, très très fun. Alors celui-là je l'ai découvert cet été également, mais très fun et très arcade à l'ancienne. Ça me rappelle beaucoup les ISS par exemple, mais avec des persos vraiment beaucoup plus imposants. Donc franchement une belle découverte pour moi cet été que ce jeu. On a également eh bien le Lemmings 3D, voilà. Hop. Bon, qui ne connaît pas Lemmings hein. C'est un jeu de réflexion. Vous allez devoir faire parcourir justement un certain chemin à vos lemmings hein, qui vont tout droit. Il y a 80 niveaux à parcourir. Et chaque lemmings, vous allez pouvoir leur donner des ordres en fonction de ce que vous avez à votre disposition. Et là, bah, le jeu est passé en 3D. Voilà, moi, je l'ai connu surtout en 2D. Et j'avoue que cette version 3D, bah, je ne la connais pas. Voilà, je n'y ai jamais joué. Il faudra que je me fasse ça. Pendant l'hiver, ça fait partie des jeux que je n'ai pas encore testé sur ma Saturn. On a le Manix TT Superbike, donc toujours pareil, hein, Sega Sport, vous voyez, donc ça, banger du coup, jeu de course de moto arcade, hein, très arcade, donc vous allez pouvoir parcourir 2 circuits différents, et les jouer pareil que Daytona en mode miroir, hein. Donc vous pouviez même faire une version courte ou une version longue du jeu, et il y avait un mode arcade, un mode contre la montre, et un mode en ligne. Voilà, qui était disponible. Excellent jeu. Pareil, très très fun à prendre en main. Voilà, très très bon. On a le Robotica, voilà, qui est un jeu d'action.
Donc, c'est avec des robots. Hein. Donc, vous savez, j'ai un peu de mal, moi, avec dès que ça parle de robots. Hein, ils ont été atteints d'un virus. Et donc, ils se sont révoltés contre le monde, en fait. Hein. Et donc, vous êtes le seul à pouvoir les défoncer grâce à vos armes. Voilà. Vous allez devoir buter tous les robots qui ont pété les câbles. L'incroyable et l'indispensable Sega Rally Championship, évidemment. Hein. Évidemment, vous pouvez pas avoir une Saturn sans avoir Sega Rally, hein. C'est juste pas possible. Un jeu de course disponible donc sur Saturn et qui propose 8 modèles de bagnoles et il y avait 3 modes de jeu, donc course rapide, arcade et championnat. Et il y avait donc le désert, le canyon, la campagne et très fun. Voilà. Là, on est vraiment sur du pur arcade et ça, c'est vraiment le jeu qui me faisait baver. Hein. Ça, c'est... À l'époque, j'étais là, c'est bien la PlayStation, mais j'ai pas Sega Rally, quoi. Sega Rally, c'était... Ah ouais, Sega Rally, c'était vraiment le jeu qui aurait pu me faire basculer sur la console, hein, à l'époque. Hein. J'aimais beaucoup les jeux de course, à l'époque. Sega Touring Car Championship. Alors ça, celui-là, ouais, par exemple, je le connaissais pas à l'époque. C'est un autre jeu de bagnole hein, de Sega. Hein. Vous allez pouvoir choisir 4 bagnoles différentes. Pour participer à des courses, hein. Il y a 3 circuits, donc c'est pareil, hein. Il n'y avait pas beaucoup de circuits, hein, parce qu'on les connaissait par cœur, en fait, hein. Et celui-là, par contre, pour moi, c'est une magnifique découverte. Je l'ai trouvé incroyable. Limite, je me suis plus amusé sur Sega Touring Car que sur Sega Rally. Vraiment, très très belle découverte pour moi que le Sega Touring Car. J'ai adoré. Autre très bon jeu de foot, eh oui, le Sega World Soccer 97, je crois qu'il y a un 98 également, hein. Donc là, il y avait 48 équipes internationales. Vous allez devoir... Par contre, ça prenait en compte les blessures de vos joueurs, les suspensions, enfin bref, il y avait plein de stats qui étaient rajoutés. Voilà, donc plutôt sympa aussi ce petit jeu de foot. Nous avons également le Soviet Strike qui se balade là-dedans. Alors vous voyez, là, on est plutôt sur un format boîte de VHS. Hein. C'est limite une boîte de VHS. Et pourquoi ils se baladent? Bah parce que les picots, c'est de la merde. Voilà. Et bon, j'ai un outil, c'est tout. Hein. Donc ça, à l'époque, c'était ma cam de fou furieux, les strikes. Sur Mega Drive, j'ai adoré les jungles, les déserts. J'ai toute la saga des strikes. C'est vraiment des jeux où vous utilisiez un hélicoptère et vous aviez tout un tas de missions à réaliser. Hein. Et donc là, ça se passait évidemment en URSS. Donc j'ai beaucoup. Voilà, à l'époque je l'ai fait sur la PlayStation celui-là, je crois. Je crois que c'est celui-là que j'ai fait. Il y avait un Nuclear Strike aussi. Il faudra que je revérifie s'il était sur PlayStation, mais bon, trop bien. Steep Slope Sliders. Voilà. Encore un Sega. Et ils étaient très forts à l'époque, hein, les Sega Sports. Donc là, c'est un jeu de snowboard, tout simplement. Très arcade également. C'est vraiment. Le jeu d'arcade, donc là c'est pareil, il va falloir faire des tricks et tout. Incroyable. Bon, génial. Enfin, c'est... Voilà quoi. Moi, c'est une console. En fait, je la kiffe cette console. Il n'y a pas beaucoup de. Je joue pas beaucoup hein, en rétro gaming sur des consoles de salon. Il y a la Mega Drive que je ressors régulièrement. Il y a la GameCube qu'on peut considérer comme une console de rétro gaming. Il y a la Master System, que j'ai découvert que sur le tard. Mais alors, la Saturn, sinon, c'est la Saturn que je branche, moi. Les autres, c'est vrai que très rarement, je veux brancher la NES, la SNES. Ou... Par contre, la Saturn, j'adore me taper des après-midi à jouer à des jeux Saturn. C'est l'impression d'être dans une salle d'arcade, c'est génial. L'incroyable Tomb Raider, moi, celui-là, je le voulais absolument, parce que je trouve vraiment la pochette... Pouah, c'est... Voilà, c'est... Il n'y a rien à dire. Franchement, je les achète vraiment des fois que pour la pochette. Il y a des jeux que je veux à cause de la pochette. Tomb Raider, c'est un jeu de plateforme d'aventure qu'on connaît tous, hein, que je ne vais pas vous présenter. Et moi, la pochette, voilà, je craque. Je suis obligé de l'avoir. Pour moi, ça doit faire partie d'une collection. Et j'y ai pas joué. Voilà, j'y ai pas joué sur la Saturn. Enfin, je le passe. Je l'ai récupéré que cet été, celui-là aussi. Celui-là aussi. Le Tunnel B1, voilà, c'est un jeu que j'ai récupéré que cet été. Bon, celui-là, apparemment, il est pas bon. Heureusement, j'avais pas payé très cher. C'est un jeu d'action qui est assez rapide, mais assez calamiteux, visiblement. Je l'ai pas encore essayé non plus.
Et bah, je vous montre d'abord celui-là, parce que par ordre alphabétique, c'est celui-là. Le Virtua Cop 2. Donc celui-là, c'est pareil, je l'ai récupéré cet été. Ouais, je l'ai que dans ce format-là, malheureusement. Donc c'est assez varié, parce qu'il y a des courses-poursuites. Il y a des scènes dans un immeuble, dans le métro et tout ça. Mais il y a également des scènes de tir. Voilà. Ça se jouait avec un flingue, que je n'ai pas. Voilà. Donc, j'ai pas envie d'y jouer comme ça. Je préfère attendre de trouver un petit flingue pour pouvoir y jouer. Et le dernier jeu de ma collection, bah, c'est le Virtua Fighter 2. Voilà. Une pépitasse. Ah, oh, ça, c'est bon. Jeu de combat en 3D. Mais ça, voilà. Ça, c'était le jeu qui me faisait baver aussi à l'époque. J'étais là avec ma Play, je jouais à Toshinden, je jouais à Tekken. Je dis, ouais, mais j'ai pas Virtua Fighter, quoi. Et là, je vais y jouer et là, je kiffe. Alors c'est sûr que c'est très anguleux, alors c'était voulu, hein. Enfin, si vous voyez les personnages, ils sont un peu cubiques, un peu carrés, un peu voilà, mais alors quel, c'est une bombe de jeu, une bombe de jeu, voilà, je vous recommande. On les trouve à pas cher en plus, hein. C'est vraiment des jeux qu'on peut trouver, bah, qui sont énormément vendus avec la Saturn et qu'on peut retrouver assez facilement, donc ça je vous conseille. Voilà, c'était ma collection, je crois que j'en ai 22, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc voilà. Ça, c'est une collection, voilà, qui va être appelée à avancer tranquillement, voilà, au fur et à mesure de mes découvertes. Mais c'est vrai que quand j'en vois à des prix très corrects, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à pas les prendre, en fait. Voilà. J'adore. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Voilà. Je vais avoir du mal à faire la mini, hein, parce que c'est très lourd. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la mini, hein, non. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et salut tout le monde.